Et salut à tous, c'est Nat, on se retrouve pour cette semaine la revanche du mode random. Après une partie haute en rebondissement avec Toubian la semaine dernière. Bonjour Toubian d'ailleurs, parce que tu es là avec moi. Oui, très bien. Oui, je suis là. Ouais. Et tu m'as défoncé la tronche la semaine dernière. Ouais, c'est passé à pas grand chose quand même. C'est passé à beaucoup d'erreurs. Du coup. Sur les équipes qu'on avait, sur les tirages qu'on avait, donc moi c'est le même que la semaine dernière qui était du... en fait on va pas tous les donner, je vous les afficherai à l'écran, c'est mieux, incrustation oui. Tout ça. Mais en gros, sur la liste que j'avais, moi, Toubian a banni Vampiro, et ça tombe bien parce que j'ai pas envie de le jouer donc moi je m'en fous, ça perturbe pas mes plans, et moi je lui ai banni Tio parce qu'il faut pas déconner, il y a des limites. Donc, j'ai envie de dire revanche. Tu vas retrouver quelques similitudes dans les équipes, mais pas complètement. Donc ah là, ouais. On a reconstruit avec le pool de figurines qu'on avait, en sachant ce que l'autre a. Du coup, j'ai pas du tout pris en compte ce que t'avais. Hein. Moi, j'ai juste joué plus que j'avais envie de jouer. Mais en prenant, on savait ce que l'autre jouait, et on avait une figurine en moins. Et du coup, moi, je vais jouer là ce que j'avais prévu de jouer à la base, sauf que le combo avec le capitaine, je le trouvais rigolo. Donc, j'ai voulu jouer le combo avec le capitaine au début. Est-ce que tu as reçu mon défi ? J'ai reçu ton défi. Très bien. Prêt ? Je suis prêt. Alors. What ? Il y a du monde. Donc, tu joues une Kankoa Marline Mythic Tech et une monde entier Chevalier Feuille. En fait, j'avais même pas vu le genre de Chevalier Feuille qui était planqué dans l'arbre quand tu as eu le tour au début. Et c'est un Mythic Tech. Ok, ça fait beaucoup de monde. C'est éclectique. Ah bah ça... on est obligé de rejouer sur la même map, sans déconner. Et... dans le même sens, non ? Dans le même non. sens. Si. Si, dans le même, ouais, dans le si, même si. Sens. Si, dans le même sens. Totalement. Bon, ça fait plaisir. Ça va être compliqué. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est ça. Voilà, on va. Ouais. Ouais, on va essayer comme ça. Ça c'est pas mal, comme ça, ça, là, et ok, j'ai à peu près réussi à me débrouiller. Donc, alors il y a des figurines que je connais bien là-dedans, d'autres que je connais moins. Le petit stack de mémoire c'était quand même plutôt pénible. Oh, pas tant que ça au final, c'est juste, ouais, t'as une grosse portée sans ligne de vue quoi. C'est ça. Et c'est moi qui joue en premier. Ouais. Et pourtant j'avais 19 d'init. Mais tu as beaucoup de figurines. C'est vrai. 3, 4, 7, 9, 11, 10, 12. J'ai pas 19 moi. 2 et 3, 5. Et 4, 9. 10, 12. Non. On a autant a priori. J'ai pas tout compris, mais d'accord. Hop. Ah oui, pardon. J'ai compris que ça te tenait à cœur. Quand même. Alors. Ouais, bon, là, il y a de l'envoi de quoi dans les pattes, ce genre de choses. Ah, j'ai compris. Super, le beau jeu, bravo. Parce que moi je menace, moi monsieur. Il y a tellement moyen de partir en cacahuète avec ces phrases. Il devrait tellement en ajouter. Ah ouais. Il y a un gars qui avait craqué un jour, qui avait fait un fake, genre t'avais, ça prenait tout l'écran et t'avais 3 pages. Et il y avait vraiment tout et n'importe quoi. Dont notamment toute une partie qui clashait bien le CM. Genre, mais tu joues comme des Wiit ou enfin... C'était assez gratuit de mémoire.
Alors. De toute façon, soyons francs, hein, sur cette map, c'est le tour point du Kama, donc. Ah bah, ouais, honnêtement. Honnêtement, le premier tour, il est quand même un peu fait pour ça. Ok. Alors. Est-ce que. Bah. J'ai pas spécialement besoin du critique, mais j'ai pas non plus spécialement besoin du double. Donc, Pognon. Je vais pas dire que ça s'est joué à un double à la dernière partie, mais. Un peu quand même. Voilà. Tu as bien fait ton tour, c'était joli. Voilà, alors, là si j'ai bien calculé mon coup, faut pas que je fasse n'importe quoi. Ouais d'accord, non c'est bien, je sais pas jouer le corbeau noir. C'est pas grave, de toute façon je voulais pas jouer le corbeau noir alors. Mauvaise foi, la 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 la. Bah, je pense que c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Alors. On remet en marche la machine. Parce qu'il faut ce qu'il faut, tout simplement. Et on va commencer à partir par là. Du coup. Shkaboom. Shkalaboom. Et du coup, bah, il est un peu fatigué maintenant. Il va aller se reposer. Bon, pour l'instant, ça double pas trop. C'est déjà ça. Ouais, le jeu a compris qu'on aimait bien prendre notre temps. Tout à l'heure, il nous a quand même un peu forcé la main. Je suis caché derrière un arbre. Ouais. Il faut pas que je me plante parce que c'est pas le même que. Que. Si c'est le mec. C'est le même que le tour d'avant. Ouais, pardon. Enfin que la partie d'avant. Ah la map. Non, le cannibal. Ah le cannibal, non, c'est pas le même. C'est pas le même. Tout à l'heure j'avais le archer qui a 2 PM au lieu de 3, 2 PV en moins, qui est à 4 au lieu de 6. Il a la même portée, les mêmes PA, son sort lui coûte autant de PA. Le seul truc c'est que lui il t'enlève un de portée sur du 2 à 3 sans ligne de vue. Alors que le Sarbac il t'attire sur du 2 à 3. En fait, il me fallait un niveau 1. Les deux seuls niveaux 1 que j'ai eu de mémoire, c'est ça. Je sais pas compter. Bon. Je sais pas ce que je vais en faire, mais j'ai pas envie de te laisser ça. J'ai hésité à le prendre tout à l'heure. Au premier tour, je me suis dit bon allez, on peut attendre d'avoir des choses plus sympas. Cela dit, oui, pour accélérer un Gaspard, c'est sympa. Exactement ce que je me suis dit. Parce que qui t'a acheté, hein? Oui, bah après, fais-toi plaisir.
Alors. Réfléchissons. C'est pas forcément le plus utile, mais j'ai bien envie de faire ça maintenant. Attends, ça joue dans quel ordre? Non, c'est pas hyper utile. Est-ce qu'on pourrait avoir des RD12 qui sont pas merdiques, par contre, s'il vous plaît? Parce que là, honnêtement, Archange et Marteau Phaistos, je suis à deux doigts d'acheter une 12 cachée, quoi. Alors... Oh, ça va les œufs là? Ça va, plutôt pas mal. Ah ouais, super, en même temps si je crit. Tu vas retourner chez mémé, hein. On va faire ça comme ça. Ah, mais est-ce que je peux pas faire ça? Je me suis fait troller par le jeu. La concentration est à son comble. Ouais, ouais, c'est pas... Ça se passe pas comme je l'aurais voulu. Du coup, de colère, je vais péter. Ça se sent. M'avait gonflé cet œuf. Même pas né, il m'a déjà énervé. Mais ça ne se fait pas des œufs panés, par contre, c'est dégueu ça. Badoum! Il faut vraiment que j'arrive à trouver un moyen de balancer des jingles comme ça. Ce serait vraiment hilarant. Hop. Alors. Pas dire bonjour. Non, je suis timide. Voilà, voilà. Ok, le jeu veut qu'on accélère. Mais. C'était prévu. J'ai même pas été acheter une 12 cachée du coup. Bon, allez. Ok, d'accord. Envie d'accélérer, j'ai compris. Moi, je suis ce que le jeu m'indique. Hein. Je me dis, faut y aller. Bon, bah, allons-y. Accessoirement, ce sera fait. Oui. Ça sert d'attendre. Mais tant pis. Alors, t'as raison. Venir, bonjour. Ah, c'est vrai que c'est déjà un 4. Kama. Kama Bunga. Je compte. Mais oui, je compte bien. Oh mon dieu. Alors attends. On essaye? Bon, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Allons-y. Ah, là t'as envie de me faire du mal, là. Non. Pas du tout. Si, t'as quand même un petit peu envie de me faire du mal. Bah... Tu vas te calmer un petit peu. Je t'interdis de refaire ça. D'accord. Ça marche dans ces cases-là. Sérieusement. Ok. T'as dit refais pas, j'ai pas refait. Ok. Ça va être une bouche. Hop, je prends le petit Kama. Kama des familles.
et rira bien qui rira bien. Ça, hein. C'est sûr. Ouais, ça n'a pas de sens, mais... Mais c'est profond. J'ai trouvé de plus... acide. Bah tu sais quoi ? Moi, je vais tenter ma chance. Ah ! Mais je vais pas te le reprocher, parce que je pense que je vais faire pareil. En fait, je voulais le faire au tour d'avant, mais j'ai oublié. Ouais. Je sais pas si hein, le temps de peut-être pas, c'est pas dit que ça soit bon. Des fois, la chance, elle te chie un peu dans les pattes, quand même. Hein. Donc ça, ça veut certainement dire que t'as chopé une arme. Parce que les armes, elles sont quand même pas... Ça dépend, faut voir. Parce que les armes qui sont là, elles sont quand même pas fofolles. Hein. Ouais. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Ah bah non, je peux pas. Logique. Bah non, Koa a déjà une RD. Non. Bien, tu savais que je voulais la mettre sur Koa. Bah c'est le seul cas, c'est le seul personnage qui peut pas mettre une RD, donc... partons de là, après quelques longues déductions... Oui, intense bon, réflexion. Va, intense arrive réflexion. À tout le monde de se tromper. Oui. À tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, non, on va le mettre là, je pense. Voilà. Alors... Avec toi, je peux pas faire grand-chose. Donc ce qu'on va faire... C'est qu'on va... Hop. Je tente le coup de la 12 aussi ou pas ? Ou je tente le gavage de 3. Ce serait sale. Cela dit, la panneau bouffe-tout, elle peut servir aussi sur, sur mon petit Gaspard. Hein. Ça peut être chouettos. Ça va être chouettos. Mais... Allez. Parce que du coup, on va pouvoir faire des chocs à pic. Mais ce n'est pas tout. Parce que du coup, on va acheter à 3. Ok. Pas. Et on va continuer parce qu'on était quand même bien parti, donc voilà. Ça, on va le mettre là. Ok. Et je peux encore ? Mais oui, je peux encore. Continuons. Tant qu'on est parti. Hop. Bon, là, c'est déjà pas mal. Je pense que. Hein, faut pas être trop gourmand non plus. On va partir là-dessus. Alors. Un truc sale arrivé, je sais pas pourquoi. Là, normalement, je vais enfin pouvoir faire ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Mmh. Parce que, mais au fait, j'avais oublié que les corbeaux, il fallait les balancer sur quelqu'un. Ah. Et du coup, depuis tout à l'heure, je vais balancer les corbeaux, mais j'y arrive pas. Alors, les corbeaux de mémoire, ils font... Ouais, ils font des choses sympas. On l'a mis à combien, notre bon Marlin ? On commence à lui mettre un petit peu le tarif. Ouais. Ça commence plutôt bien. Puis on va venir là pour gêner un peu le mythique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est Shkaboom. Ah tiens. Bim. Ah tiens, bah oui, puis ça crit en plus. T'avais pas besoin. Bam. Voilà, là déjà, bon, on peut dire que c'est fait. Est-ce qu'on est gourmand ? Est-ce qu'on est gourmand ? Ouais... Ouais, j'ai toujours été un peu gourmand. Non, par contre, si tu pouvais crit un petit peu, ce serait pas mal. Non, mais ça va quoi? Oh, ça crit pas. C'est nul. C'est toujours ça de fait. Ça attaque le pas, les corbeaux, on est bien d'accord? Non, ça attaque le pas. Tout. Je crois pas. Le petit n'a qu'un bras en mode j'aide les copains. Ouais, mais lui, il va pas vivre longtemps, tu vois. Mais si.
Je ne vois absolument pas comment tu pourrais le défoncer, sachant que tu as du 100 lignes de vue. Ça. Après, voilà. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Je pose la question. Hein, Je réponds oui. Mais après, si tu veux être véhément, c'est ton problème. Hein. Moi je n'y suis pour rien. Alors, tu veux me faire du mal, c'est ça? Je pensais qu'on avait dépassé ce stade. Tu m'as pris une figue. Level 2. Je prends une figue. Œil pour œil, level 2 pour level 2. Non, tu devrais pas le prendre sur ce temps-là. Ah ouais? Ça va rien amener de bon. Je t'assure, ça va rien amener de bon. M'en fous! Même s'il meurt au prochain tour. Ah bah là, je te cache pas qu'il y a de fortes chances. Hein. Je veux pas trop m'avancer, mais ça va quand même pas être la fête à son slip. Hein. Sa armure. Bah ouais, sa armure, bah ouais. En même temps, voilà, hein, c'est le jeu de la vie. Hein. Tu croyais être hors de ma portée? Ok, bon là j'avoue, fais-toi plaisir. C'était peut-être pas... Honnêtement, vu tes figues, je le comprends, c'était peut-être pas celui que tu voulais le plus. Non. Aïe. Mais bon là, il fait plutôt le café pour le moment, donc je vais pas trop me plaindre. Ça picote une poquito. Alors... C'est qui que tu veux taper en premier là? Ce qu'on va faire, c'est ça, ça, ça. Là... je suis un peu en hésitation, je dois t'avouer. Parce que j'étais parti sur un truc, mais du coup, t'as perturbé mes plans. Donc... Bah donc, voilà. Ouais... Écoute, hein, t'as cherché la merde, tu assumes, hein. Je suis pas responsable. Non mais heureusement que t'as crit quoi, surtout. Ouais, tout de suite. Ah oui, parce que t'as la résistance, ouais. Ah bah oui, 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 oui. Ouais, là j'avoue, j'avoue, j'y avais pas réfléchi, mais je m'en sens quand même plutôt pas mal. Ouais. Le petit bruit était pas obligatoire, mais je le trouvais tellement classe. Ça me plaît un peu moins déjà. On l'a baissé à 7 ans. Pas tant ça qui me dérange. Ce qu'on va faire, c'est ça. J'hésite un peu. Et puis... Allez, on est joueur. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Du coup, toi... Ah, comme c'est bizarre. Tu vas peut-être te faire prendre un peu en sandwich. Là, je te cache pas que... Il se peut que ça sandwich un peu. Allez, faut que ça armure. Allez, faut que ça bute. Ouais. C'est pas grave. Faut que ça... Passe pas de crit. Ce n'est qu'un faible répit. Ah, oh très bien, impeccable. C'est exactement ce que je voulais faire. Et du coup, pour terminer, on va se mettre là. Tellement pas juste. Parce que tu tapes au cac, toi, hein, pour faire mal, ouais. C'est ce que tu crois. Oui, c'est exactement ce que je crois. Du coup, on s'est mis crit, on espère que ça fasse de l'effet.
que là, je suis pas trop déçu. Et quand même, au cas où t'aurais la mauvaise idée de vouloir être vilain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Oh non, c'est tellement sale. Et passez une bonne journée. L'anti-jeu, monsieur. Non, le talent, c'est pas pareil. L'anti-jeu. Ouais, c'est bien ce que je dis, le talent. Voilà, je pense que je peux être plutôt fier de moi. Parce que là, ta cohorte aura beau la catapulter normalement. Ah non, je la confirme. 1, 2, 3. J'aurais beau essayer, ça marchera pas. Ah bah si. Bah si, parce qu'il y a le PM. Ah bah si, il y a le PM. Donc ça marche. Cela dit, est-ce que ce sera suffisant, ça? C'est autre chose. Alors, la grosse question à se poser. Ouais. Donc en fait, non, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ce sera... ceci. T'aurais pas pu aller taper celui qui avait une résistance feu? Bah non. Tu fais pas d'effort aussi. Pour qui tu me prends? Monsieur Bial. Enfin, oui, un petit peu de... voilà. Le beau jeu. Merde. Ça commence un peu à me gonfler tes bestioles là. Oui, vas-y, bute les j'attends que ça de les ravoquer. T'as de la chance, ils sont loin là. Alors, on a dit, il faut... Oui, tu remarqueras que je bute seulement la plus proche. Hein. Donc, ce qu'on disait, c'est que, bah, on va finir. T'es pas forcément obligé. Moi, je dis ça... Oh non! Voilà, c'est ce que je disais. T'es pas forcément obligé. Non! Mais du coup, par contre, non, tu vas peut-être prendre le retour du fils de la vengeance derrière. Il est fort probable, peut-être. Ouais. Peut-être. Je m'en doute bien, ouais. Parce qu'en plus, le petit Gaspard qui est juste à côté, qui tire sans ligne de vue, il va peut-être se faire plaisir. C'est tellement pas juste. Eh, monsieur, je t'ai laissé deux figurines à un point de vie à la partie d'avant. Tu veux qu'on parle de justice? Bon. Quand même. Alors... Mais c'est vrai que je serais deg. Hein. Ouais, vas-y là, sans ligne de vue, je t'attends. Ça, c'est vrai que c'est dommage que tu sois quand même encore à portée du cannibal Sarbac qui la tire. Qui joue avant. Ouais, t'as raison. C'est quand même dommage. Qui joue avant en plus, exactement. Donc j'aurais pas dû me mettre là en fait, j'aurais dû... T'aurais dû te foutre de l'autre côté, ouais. Ben, cela dit, ouais, sans ligne de vue, je passais de l'autre côté du bloc. Mais là, bon, potentiellement, ça peut être gênant. Non, mais avec un peu de faux, tu vas tellement te foirer que... Il te reste quoi? Il te reste 7 quand même, c'est pas négligeable. Hein. C'est pas négligeable, donc ce qu'on va faire... là, il y a un peu l'hésitation à prendre des risques quand même. Il y a un peu l'hésitation. Ça va, l'hésitation paye. Bon, c'est pas garanti non plus, hein. Oui, bah, c'est bon, tu vas pas faire des crits à chaque fois non plus, hein. Bon. Moi, j'aurais essayé. Voilà. Comme ça, en plus, il me sert encore de bouclier, c'est pas mal. On va rester donc comme ça. Peux-tu arriver à me foutre 6 points dans la vue? Alors, là, le pire, c'est que c'est mes corbeaux qui me gênent. En fait. ouais. Au pire... Ah ouais. Au pire... Au pire... Au pire, je suis suicidaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est des choses qui arrivent, hein. Les dommages collatéraux... Ah oui, t'es suicidaire comme ça, et c'est vraiment dommage. Ouais, surtout que ça paye quand même pas des masses. Bah, globalement, je m'en sors plutôt pas mal pour le moment. Pour l'instant, je suis plutôt déçu, je te cache pas. Pour être totalement franc, je te voyais buter ton propre corbeau pour te déplacer et balancer la deuxième attaque sur moi. Ouais, ça aurait t'aurais été fait... une technique, mais Bah, t'aurais fait une... T'aurais pas touché ma Koa? Non, peut-être pas.
Après, tout n'est pas perdu. 4 sites, t'aurais touché ma quoi. Peut-être. Par contre, là, tu commences à faire un petit peu. Hein. On va se calmer sur. T'as de l'armure ou quoi? Oui, t'as de l'armure. Bah, évidemment. Bravo, monsieur, bravo. Bon, là, du coup, il faut qu'on se fasse. On se fasse plaisir. Ah, non, mais faut pas que ça crie tout le temps, là. Allez, Gaspard. Non, allez. What? Ah, non, pardon. Je dis, j'ai pas vu les dégâts s'afficher, je dis, ah non, tu vas pas me dire que t'as rien fait. Bon, là, normalement... Les dégâts s'affichent pas chez moi, du coup, c'est hyper flippant. Mais c'est passé, je suppose. Si ça passait pas, après, c'était compliqué. Parce que, du coup, ce tour-ci... Je te prenais deux figues. Tu me prenais au moins le... Oh, deux figues, je sais pas. Ah si, attends. Normalement, je te prenais... Avec la Koa, normalement, tu pouvais finir le Dragust. Et je te prenais le Korbach derrière. Hein. Il était à 2. Il était à 2, mon maître Korbach? Ah ouais, ton Korbach, il était tombé j'ai à 2. J'ai pas du tout fait gaffe à ses points de vie. T'es sûr? Mais oui, parce que le problème, c'est que tu lui as foutu 3 PV dans la gueule avec le... Il avait pris un dégât déjà avant. Ouais. Et tu lui avais foutu 3 PV avec ton corbeau. Il y en a un, t'avais crit. Donc il était tombé. Ah ouais. Donc avec un peu de peau, je te prenais deux figues, ouais. J'ai peut-être fait un peu n'importe quoi. C'est possible. Mais moi, du coup... Moi, je disais trop rien, j'étais là, tranquille. Du coup, c'est quand même passé. Et franchement, là, avec le boss. Mais non, franchement... Ouais. Franchement, pourquoi... Tu es sur la page du défi de Crossmaster, là? Non, ça m'a déco. Ah. Parce qu'au fait, quand tu vas pour lancer un défi, tu as genre une mini-map avec un arbre, un bouffe-tout, une sacrifiée et un ballon de foot. Oui. Pourquoi le ballon de foot, je ne sais pas. Je viens de le voir et je ne comprends pas. Ça devrait être une bouffe-balle, mais c'est un ballon de foot. Ouais. Là, c'est pas une story. Hein. Non, tu peux pas cliquer dessus. Non. Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Bref, eh bien, c'était une belle revanche, je pense qu'on peut dire que voilà, on a fait les choses bien. Je vais du coup conclure la vidéo parce que je sais pas quoi vous raconter de plus. Merci Toubian pour ces parties. Merci à toi. C'était chouette, je pense qu'on pourra en refaire. Oui. Parce que du coup, on rigole quand même pas mal. Et puis, non, le mode me paraît fun, c'est sympa. Et mon équipe s'appelait les 5 monstrueux, je ne l'ai pas dit, mais voilà. J'étais très inspiré sur ton équipe. Oui, moi je l'avais appelé random, hein, parce que. Ouais, en fait, j'ai juste pris les figues qui m'inspirait à peu près. Mais ça faisait des choses, hein. c'était pas inutile. Bref, merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Denat, bye bye. Salut. C'était Denat et Toubian, bye bye. Salut. Oui, ça fait un petit côté running gag, j'aime bien.